Les gens du pays sont railles, disent que les faucons et que les vautours qui volent dans le vent vont écouter les secrets de Dieu pour les redire aux magiciens sorrentiers. Les magiciens sorrentiers qui savent les secrets du ciel et les secrets de la terre, les secrets des arbres et les secrets de la brousse. Sorrentiers du pays Sorrail, les plus célèbres sont ceux du village de Wanzerbe. Wanzerbe est à une centaine de kilomètres du Niger, et pour s'y rendre, on emprunte la route qui fut jadis la route des invasions. C'est par là qu'arrivèrent les pillards Touaregs et les conquérants marocains. Mais aujourd'hui, sur cette route, on ne rencontre que de paisibles caravanes de marchands. Des gens du Sorrail, des Touaregs du Gourma venus à Wanzerbe pour y acheter ou y vendre des troupeaux. Et derrière les chevaux et les chameaux trottine une petite fille qui tire un cabri rétif. Apparaissent les premiers arbres de Wanzerbe. Les chevaux caracolent, le chef Sourdia est reçu par les notables qui viennent le saluer. Le chef des Touaregs Oulminden fait baraquer son chameau blanc. Et Nassio Maïga, le guide aux belles bottes brodées, arrive comme d'habitude le dernier. Samedi, c'est jour de marché. Les gens de Wanzerbe n'aiment pas les étrangers et aucun ne salue Nassio Maïga. Le marché de Wanzerbe se tient dans un talweg qui sépare deux quartiers de la ville, le quartier Farié et le quartier Sorrentier. Ici, à l'ombre d'un arbre, l'on vend toutes les marchandises nécessaires à l'alimentation. Le lait, le beurre, le fromage, les épices. Si cette femme sourit, d'autres ont peur et se cachent. Les potières ont amené de la brousse ces grands vases d'argile qui servent à préparer la cuisine et à chercher l'eau. Au soleil se tient le marché d'Hurleur-Tête. Les Touaregs ont amené du nord du Sahara le sel en plaques qu'ils scient en petits cubes brillants. Le coton se vend à la poignée, à la coudée, au pagne. Et comme les gens de Wanzerbe ignorent pour la plupart la valeur de l'argent, c'est par échange qu'ils procèdent, un pagne contre un chevreau. Les bellas, les captives des Touaregs, ont amené ici les troupeaux de bœufs. Et ce sont des bœufs que Sourdia, le chef de canton, marchande avec ces belles-là, qui eux-mêmes sont montés sur des bœufs. Mais le marché de Wanzerbe est éphémère. Dès midi, tout le monde s'en va. Les Touaregs repartent sur leurs chameaux. Les bellas s'en vont vers la brousse montées sur leurs bœufs et les gens de Wanzerbe rentrent chez eux. Les gens de Wanzerbe sont venus se ravitailler ici en marchandises et les femmes
prépare la cuisine, le mil qu'elle pile sous l'œil rieur des petites filles. Ces femmes et ces petites filles vont tous les jours chercher l'eau lorsque le soleil baisse. Le village de Wanzerbe est en effet construit au bord d'un gouffre. C'est une rivière qui se trouve à sec durant la saison sèche. Mais dans le sable du lit, on a creusé des puits. Et pour éviter les palabres, chaque famille a le sien. La nappe d'eau n'est pas bien profonde. Il suffit d'une calebasse attachée au bout d'une corde pour atteindre celle-ci et puiser l'eau. L'eau, versée dans les grands vases d'argile, est ramenée à l'épaule vers le village. Wanzerbe est construit comme tous les villages du nord du Soudan, de cases aux toits de paille et aux murs d'argile. Ces cases sont réunies en concession familiale et ce sont les femmes qui ont la charge de l'entretien de ces concessions, qui balayent, qui font le ménage, aidées par les petites filles quand celles-ci ne préfèrent pas jouer. Quant aux jeunes gens de Wanzerbe, assis sur un tronc d'arbre, ils jouent au jeu de hasard. Ce sont les enfants qui viendront les premiers. Les enfants de Wanzerbe sont groupés en classes d'âge sous les ordres d'un ancien responsable. Et aujourd'hui, ils sont venus nous montrer leur jeu. Le jeu de cloche-pied. Le jeu de cloche-pied collectif, qui lui aussi est un prétexte à d'infinies bousculades. Le jeu de levée-portée. Les équilibres, les renversements, le pont. Et la danse. Ce jeu, qui ressemble à celui que nous appelons en France le jeu de l'ours, et où les enfants sautent successivement sur un groupe jusqu'à ce que ce groupe s'écroule. Le jeu de prise. Et le dernier arrivé, le jeu de camion qui soulève la belle poussière. Puis ces enfants se souviennent qu'un jour ils ont été circoncis. Et comme ce jour-là, ils se réunissent en cercle et ils frappent la terre en chantant la chanson des circoncis. Le chef des enfants, pour les faire partir, est obligé d'organiser une course jusqu'à un arbre voisin. C'est alors que vinrent les magiciens. Voici Mossi, l'un de ces magiciens sorrentiers de Wanzerbe qui sort de sa case. Mossi,
va nous conduire d'abord chez le doyen de ces magiciens, ce vieil aveugle, qui va nous dire qui sont ces magiciens, les descendants de Si, le fondateur de l'Empire Sonrai, celui qui savait voler dans le ciel, se transformer en vautour et transformer aussi son cheval en vautour pour surveiller cet immense empire, et qui est représenté aujourd'hui par cette petite bague d'argent appartenant au magicien Bakari. Voici Diadier et Baraké. Le vieux Diadier est en train de dire à Baraké comment les magiciens doivent initier leurs jeunes garçons, les emmener en brousse, leur montrer les arbres, leur apprendre à couper l'écorce de ces arbres, mais aussi à se protéger en attachant la brousse, à se protéger au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. Le magicien est parti seul en brousse. Il jette son sac, son bâton, il s'approche de l'arbre dont il va prendre l'écorce. Mais avant, il attache la brousse dans la direction des quatre points cardinaux. Il salue l'arbre. Il dit, je suis venu avec le savoir du village, donne-moi le savoir de la brousse. Puis il s'agenouille et il fait une blessure symbolique à l'arbre avec son coupe-coupe. Il la lave avec de la terre. Ainsi protégé, il peut entamer directement l'écorce de l'arbre au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. C'est cette écorce pilée qui va lui servir à préparer les charmes magiques. Suivons Mossi à l'intérieur de la case qui lui sert de la... Aujourd'hui, il va préparer un charme qui s'appelle un Hampi Kanendi. C'est un charme qui permet de faire engraisser les femmes qui sont trop maigres. Pour cela, Mossi va faire germer à la surface de l'eau contenue dans un grand vase d'argile des graines de mil. Le mil germera en un jour. Il mettra ce mil dans un gâteau, donnera l'eau à boire aux femmes et ainsi elles engraisseront. Mais avant de continuer, Mossi va se protéger, il va attacher la brousse. Il a rempli une petite calebasse d'eau. Il la recouvre d'un linge léger après avoir récité une formule. Il tient cette calebasse à bout de bras, se concentre un instant, et quand il dit le mot « cac », il renverse la calebasse. Aucune goutte d'eau n'est sortie. Mossi boit l'eau contenue dans la calebasse. Il s'en humecte les bras, les mains, le visage. Il a attaché la brousse. Il peut continuer son travail. Il tient le grand vase d'argile du Hampi Kanendi à plein bras. Il prononce une nouvelle formule. Diadier devant moi, Diadier derrière moi. Ce qui était bon dans la bouche de mes ancêtres doit être meilleur dans ma bouche. Et il crachote dans la direction des quatre points cardinaux. Il répand à la surface de l'eau une première couche faite avec l'écorce de l'arbre gabé qui a été réduite en poudre. Au-dessus, il répand une deuxième couche en commençant par un cercle, cercle magique de protection. C'est l'écorce de l'arbre faré qui doit faire germer le mil en un jour. Puis, en regardant sa main gauche, il place les graines de mil par petits tas en commençant par le centre. Il termine par un cercle magique, prononce une dernière formule, crachote, il n'a plus qu'à attendre que le mil germe. Et voici qu'arrive un client, car ces magiciens de Wanzerbe sont aussi des devins. Ce client est venu demander à Wanzerbe des renseignements sur sa vie conjugale. Et Mossi lit ses renseignements dans les coris, les sept coquillages, dont la position respective donne une réponse à la question posée.
Mossi jette à nouveau les coris. Mais ceux-ci ne veulent plus parler. Le client insiste, alors Mossi va lire dans la terre. Il attache la brousse, dit « La terre ne ment pas ». Puis, il jette les étoiles. Ces quatre séries de points jetés au hasard qu'il compte par paire et qu'il recommence quatre fois de suite. La comptabilité est marquée au bout du G. Deux traits parallèles pairs, un seul trait impair. À l'aide de cette comptabilité, il trace sur la terre le thème géomantique. C'est une interprétation complexe des traits qu'il vient de tracer et qui donne une réponse non seulement à la question demandée, mais encore à des tas d'autres questions, car la terre ne ment pas. Si Mossi a ce pouvoir, c'est parce qu'il est guidé par un génie. Mossi a élevé dans la cour de sa concession un autel à ce génie. Ce sont quatre arbres plantés dans la direction de quatre points cardinaux, et pour forcer ce génie à lui donner son aide, Mossi doit lui sacrifier de temps en temps un animal. À la façon dont se débat le poulet qu'il a égorgé, à la façon dont le sang coule sur le sol, Mossi sait si le génie accepte le sacrifice. Mais aujourd'hui, le génie n'est pas satisfait, il veut encore du sang. Le bouquetin blanc, à son tour, est renversé au pied de l'autel. Et Mossi, en l'égorgeant, prononce la formule. Il sort bientôt, en tenant ses deux dépouilles qu'il va jeter dans un coin de sa concession. Son fils se déshabille pour lui tendre l'eau de l'ablution. C'est ainsi, seuls, dans la brousse ou dans leur case, que travaillent ces magiciens de Wanzerbe. Si les magiciens de Wanzerbe travaillent toujours seuls, il leur arrive parfois d'avoir à se réunir. C'est lorsque le mal menace le village. Les sorciers mangeurs d'âmes de la brousse, les magiciens des villages voisins essayent de venir gâter le travail des magiciens de Wanzerbe. Alors, il faut organiser un Sohantie Hore, une danse des magiciens. Pendant cette danse, un seul magicien dansera. Il symbolisera toute la communauté et c'est lui qui sera chargé de chasser le mal. Les hommes reviennent de brousse et se dirigent vers la place du village où retentissent les joueurs de tambour d'aisselle. Les femmes aussi viennent, elles quittent les travaux de l'eau car elles jouent un rôle important dans ces danses. Les petits garçons sont venus voir comment danse leur père et comment un jour ils danseront. Déjà, les magiciens sont là, et chaque fois que l'un d'eux arrive, les joueurs de tambour crient ses devises. Fils de Si, fils de Halmin, Si vole dans la nuit, Si vole dans le jour. Voici qu'arrive le danseur. Après avoir fait un cercle magique avec une pincée de terre, il fait signe aux musiciens de s'approcher de lui. Dont la poignée représente une tête de vautour pour rappeler que son ancêtre Si savait voler comme un vautour. C'est avec ce sabre qu'il va se livrer à ce duel douteux avec le mal. Il va combattre celui-ci en grande passe verticale, en passe horizontale.
Les femmes poussent des you-you. Les hommes viennent jeter des cadeaux avec des gestes nobles. Après cette première purification, la danse proprement dite va commencer. C'est au simple son de cet orchestre, à la simple audition de ces paroles, que le magicien doit arriver à l'extase. Mais ce travail est si difficile qu'il faut que les musiciens se surpassent et le chef Sourdia est allé chercher le meilleur des tambourinaires de Wanzerbe. Pendant le repos, le magicien boit, après avoir jeté deux pincées de terre dans l'eau et avant de se lever, il ramasse encore une pincée de terre. N'est qu'un simple piétinement rythmé au son de cet orchestre, au son de ces voix qui disent « Si prend les armes, si barou, si almine, si peut tuer l'homme entre la coiffure et la tête, si peut tuer l'homme entre la chaussure et le pied, si peut tuer l'homme entre la veste et le cou. » Lorsque le magicien est fatigué, il fait signe à ses captives de danser à sa place. Cette danse est une danse au symbolisme sexuel. Une femme a caché une calebasse sous sa jupe, elle représentera la femme. Une autre a caché un bâton sous un pan de son pagne, elle représentera le garçon. Les musiciens chassent les spectateurs qui se sont trop approchés et la danse continue. L'extase se manifestera chez le magicien par deux signes. Il tremblera et de sa bouche sortira une petite chaîne qu'il a dans le ventre et qui est son arme la plus redoutable. Mais le fils du magicien n'a pas pu résister au son de cette musique. Il se met à danser lui aussi. Les musiciens entourent le magicien. Celui-ci tremble et voici que de sa bouche sort cette petite chaîne qui se balance pendant quelques secondes devant son visage. Le mal est chassé loin de Wanzerbe. Mais à la vue de cette chaîne, tous les magiciens sont pris d'une sorte de fureur. Ils tremblent, ils dansent, ils pleurent. Les magiciens de Wanzerbe chassent ainsi le mal de leur village, ils ont encore un autre protecteur. C'est le génie de la montagne de Sargoumé. Ce génie est le protecteur des champs, des troupeaux, et c'est lui qui donne la santé au village. Mais pour que ce génie accorde ainsi ses faveurs au village de Wanzerbe, il est nécessaire que tous les ans, à la saison sèche, un matin de bonne heure, on aille lui sacrifier un animal. Ce sont les jeunes garçons qui partent les premiers vers la montagne de Sargoumé. Les petites filles, les femmes, n'ont pas le droit d'assister à la cérémonie. Ces jeunes garçons marchent seuls à travers la brousse. À travers cette brousse hostile qu'ils ne connaissent pas encore, ils passent à côté de ces arbres dont ils ne savent ni le nom ni les propriétés magiques. Derrière vient l'animal que l'on va sacrifier. Cette année, c'est un veau blanc. Le chef de village, entouré de ses frères et de ses fils, conduit l'animal vers la montagne de Sargoumé, car c'est lui, le chef, qui a la responsabilité du sacrifice. Arrivé au pied de la montagne, le chef va, tout seul, se recueillir. Il va dire au génie de Sargoumé
nous t'avons apporté de la viande, donne-nous la santé et la bonne récolte. Les jeunes garçons de Wanzerbe sont déjà nombreux. Les chiens aussi sont venus, car ils savent que tout à l'heure, il y aura du sang. Tous les magiciens doivent être là. Ils se présentent au chef qui les place. En voici un qui vient suivi de son fils, qui a déjà commencé son initiation. Il salue le chef. Ce vieillard a tenu à venir. Il s'appuie sur le long bâton fourchu qui est l'insigne des vieillards nobles au pays Sonrail. Ces trois-là reviennent des travaux de la brousse. Et voici le danseur. Il salue le chef. Ces magiciens sont venus, les uns avec les lances qui servaient d'armes à leur père, d'autres avec les haches qui leur ont servi à couper l'écorce des arbres, le vieillard avec son bâton fourchu, le chef des enfants avec un bambou. C'est lui qui ordonne aux garçons d'aller en brousse chercher les fagots de bois avec lesquels on va brûler la viande de l'animal après le sacrifice. Pendant ce temps, les magiciens discutent entre eux pour savoir quel est l'endroit exact où doit avoir lieu ce sacrifice. Un endroit est désigné, le chef donne son accord. L'un des magiciens s'adresse au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et sur le sable, il trace une croix. C'est là. On apporte la paille qui va servir à allumer le bûcher. Et sur cette paille, on entasse les fagots de bois. Chaque garçon a tenu à apporter le plus gros fagot possible pour montrer aux hommes sa jeune force. Et même les plus petits se sont réunis pour porter cette énorme bûche. Tout est prêt. On amène le veau. On le renverse sur le sol, la tête tournée vers l'est. Des aides le maintiennent. Le sacrificateur tâte le cou pour savoir quel est l'endroit exact. Et il tranche la gorge. Et pour que le sang coule le plus largement possible sur la terre, on soulève la tête égorgée. Le dessin du sang est favorable. Favorables aussi les derniers mouvements de l'agonie de l'animal. Le génie de Sargoumé a accepté le sacrifice. Cette année sera bonne pour les gens de Wanzerbe. Et alors, que s'achève le découpage, que les chiens lèchent le sang qui a coulé sur la terre, les visages des magiciens ont retrouvé leur sourire, car ils savent que cette année, il y aura encore la bonne santé et de bonnes récoltes au village de Wanzerbe. Un vieillard s'approche du bûcher et y met le feu. Le chef de village envoie les enfants chercher les morceaux de viande pour les jeter sur le feu où elles seront simplement grillées. Toute la viande doit être ainsi grillée car aucun morceau ne doit rentrer au village. Et la peau elle-même est tranchée en lanières pour être brûlée.
Ces morceaux de viande sont à peine grillés que les magiciens les enlèvent du feu et les jettent aux enfants qui se battent pour les manger. Et bientôt, tout est mangé. Les derniers morceaux sont enterrés dans un trou que l'on a creusé dans le sol. La cérémonie du sacrifice au génie de la montagne de Sargoumé s'achève. Les magiciens se séparent, chacun part seul de son côté. Les enfants rentrent au village et le chef des enfants leur donne l'ordre de rentrer en courant comme le veut la coutume. Et le chef...